Valenciennes accueille Rodez. Les Valenciennois ont un bilan mitigé, une victoire, un nul et une défaite depuis le début de la saison. Affronter un promu peut leur permettre de gagner un match supplémentaire, mais ce promu-là est très résistant. Rodez est invaincu et a réalisé 2 victoires pour 1 nul. C'est un très bon début de saison pour les Ruthénois qui se procurent même la meilleure occasion de début de match avec cette déviation de Dorian Cady et c'est sauvé par Jérôme Prior. Réponse des joueurs locaux avec la tête en retrait, la frappe manquée et finalement ce tir surpuissant sur la barre transversale. Quelle opportunité pour Laurent Dos Santos, le capitaine, et quelle parade d'Arthur Desmas. Le gardien de but de Rodez a un superbe réflexe suite à ce tir très difficile à stopper. 0 à 0 à la mi-temps, encore une bonne performance de Rodez qui tient le coup, qui résiste grâce à sa défense et à son gardien. Rodez qui a été éliminé seulement au tir au but à Grenoble au premier tour de la Coupe de la Ligue BKT pendant que Valenciennes perdait 4 buts à 1 sur le terrain de l'AC Ajaccio. Des Valenciennois qui se libèrent après 5 minutes de jeu en seconde période grâce à Baptiste Guillaume pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une très belle reprise qui permet à Valenciennes de mener enfin 1-0. Les Valenciennois sont bien lancés. Rodez espère revenir. Et les joueurs de Laurent Perlade n'en sont pas très loin sur cette reprise de la tête d'Hugo Bonnet. C'est sur la barre transversale, pas de réussite pour Rodez. Les Ruthénois doivent s'incliner pour la première fois de la saison. Victoire de Valenciennes, 1-0 contre Rodez.